On va parler de ce match entre Tottenham et Arsenal qui vient de se finir il y a quelques instants. Quel match, quelle victoire d'Arsenal sur la pelouse de Tottenham qui permet aux Gunners de reprendre 4 points d'avance sur City avec certes 2 matchs en plus, mais Arsenal est donc leader de Premier League à 3 matchs de la fin pour ces Gunners. C'est une perf quand même d'aller gagner à Tottenham avec ces conditions-là, avec l'adversité en seconde période. Ces Gunners, ils ont bien grandi, Olivier. Ah ouais, ils ont fait une première mi-temps, ils ont été cliniques. Ils ont fait preuve de réalisme. Ils peuvent être menés, ils peuvent égaliser Tottenham et on peut noter que c'est 2 coups de pied arrêtés et un corner pour Tottenham. Tout à fait. Christophe, cette équipe-là, des Gunners d'Arsenal, elle en a mis 5 cette semaine à Chelsea dans un premier derby. Elle vient gagner à Tottenham aujourd'hui. C'est une semaine qui aurait pu être la semaine de tous les dangers. Ils viennent gagner 2 fois dans des circonstances totalement différentes. C'est fort. Elle est très très révélatrice de ce qu'est en train de devenir Arsenal. Juste un chiffre, et je ne suis pas un fan de data, mais contre Chelsea, ils gagnent 5-0. Ils ont 45% de possession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Arteta, il veut être pragmatique, efficace, sortir des petits détails qui leur ont posé des problèmes la saison passée. Et aujourd'hui, les coups de pied arrêtés, c'est travaillé. C'est travaillé notamment avec un Français, Nicolas Jauvert, qui est remarquable dans sa recherche. C'est travaillé dans les transitions défensives, dans les transitions offensives. Ils sont cliniques, mais à la fois dans la surface de réparation et dans leur replacement et dans la projection vers l'avant. C'est-à-dire que c'est une équipe qui devient très mûre. Ils sont adaptés parce qu'ils ont laissé quand même la possession de balle à Tottenham. Ah oui. Plus pragmatique il y a quelques mois. Et mentalement aussi, ce coup de moins bien et ces coups du sort en seconde période. Cette erreur de Raya, ce pénalty concédé par Rice, peut-être qu'il y a quelques mois, ou même l'année dernière, quand il luttait déjà pour le titre, il ne se serait pas remis. Peut-être qu'il y aurait 3-3 à l'arrivée l'année dernière. Ouais, il y a de la maturité avec la Ligue des Champions. Et là, défensivement, ils sont costauds. Très, très costauds. Ils anticipent. L'année dernière, en fin de saison, ils n'ont pas Saliba. Ils l'ont encore. Oui, c'est vrai. Ils anticipent très très bien la future perte de balle. Il n'y a pas de surprise au niveau de la transition défensive. Et puis il y a un petit fait marquant qui m'a surpris, parce que j'ai rarement vu ça, c'est quand ils ont marqué, il n'y a pas une effusion, il n'y a pas la mise en avant du buteur, c'est ils se retrouvent ensemble, comme si c'était l'avant-match, on s'encourage, ils sont ensemble, c'est des détails, mais ils restent concentrés sur l'objectif final qui est de gagner le match. Il leur reste 3 matchs en cette fin de saison, les Gunners d'Arsenal. Ils les gagneront peut-être les 3, tellement ils jouent bien en ce moment, mais le problème, c'est que même s'ils gagnent leurs 3 matchs, ils ne seront peut-être pas champions. Pourquoi ? Parce qu'ils affrontent l'ogre de cette première ligue, Manchester City, le champion qui sait aussi finir ses saisons de manière admirable. Ça a déjà été le cas 3 fois dans l'ère de Pep Guardiola. Il a été champion 5 fois, Pep Guardiola. 2 fois de manière assez facile, ou en tout cas assez large. 3 fois à l'issue de finishes formidables. L'an dernier, déjà à la lutte avec Arsenal, ils étaient largement distancés par les Gunners au mois de février. Les Citizens vont enchaîner 12 victoires de suite, avec notamment un succès contre les Gunners fin avril pour aller chercher le titre. Il y a 2 ans, à la lutte avec Liverpool cette fois, City ne va plus perdre lors de ses 12 derniers matchs et va même remonter en handicap de 2 buts contre Villa lors de la dernière journée pour être sacré avec 1 point d'avance sur les Reds. On remonte encore plus tôt, 3 ans plus tôt, en 2019, les Citizens sont déjà engagés dans un mano à mano suffocant avec les Reds. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et terminent la saison sur une série de 14 victoires pour remporter le titre là encore avec 1 point d'avance. Quand vous savez faire ça, année après année, alors oui, peut-être qu'ils auront un accident cette saison, mais vous abordez ce sprint final avec une telle confiance, vous vous dites que voilà, City, vous êtes City, on va le faire, vous allez enchaîner les matchs comme d'habitude. Ah oui, c'est sûr que quand ils savent que dans le Money Time, ils sont là, ils sont présents. Et on a vu même pendant l'absence de De Bruyne, on l'a vu cette semaine, derrière, il y a Foden qui prend ses responsabilités. Je trouve que cette équipe... Elle doute pas trop en fait. Elle est tellement elle a des certitudes et elle connaît ses qualités. Donc, et puis elle affronte une équipe comme Brighton qui a des valeurs, qui veut défendre des valeurs. Qui veut jouer, mais là. Mais à un moment donné, le football de très haut niveau, et tu le sais bien Olivier, à un moment donné, si vous donnez l'opportunité à l'adversaire de vous coincer sur une initiative que vous avez, il faut changer un petit peu. Il faut pas rester totalement fermé sur d'autres options de ressortie de balle notamment. Ils ont été chahutés, bousculés comme rarement cette saison les champions d'Angleterre, mais ils repartent de Nottingham Forest avec un succès, avec 3 points qui leur permet de conserver leur destin si les hommes de Pep Guardiola remportent les 4 derniers matchs qui leur restent à jouer en cette fin de saison de Premier League. Ils seront champions. Arsenal a encore 3 matchs à jouer, un petit point d'avance sur City. Elle va être passionnante cette fin de saison. C'est la fin de saison, on le disait, c'est le sprint final, Olivier. Il faut gagner, peu importe la manière. Le plus important, c'était de gagner. Ils ont souffert, mais ils repartent avec 3 points.
l'adversité, peu importe ce qui se passe, les circonstances de match. Aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui sont un peu passés à côté, des cadres, Rodri par exemple, qui perdait des ballons qui paraissaient faciles, Bernardo Silva, mais elle est là la réalité. C'est que City, on l'a dit Christophe, certes, est deuxième derrière Arsenal, mais avec un match en plus à jouer. Ouais, c'est comme une étape de montagne. Ouais. Et là, ils tombent sur une étape où le pourcentage semble pas très important, mais ils doivent donner énormément. Et quand vous voyez le visage des joueurs à la fin du match, Guardiola était assis par terre, épuisé. C'était content. Hein. De Bruyne était très. Enfin, il y avait une joie cachée. Parce qu'ils savent que l'objectif, il va se dessiner encore dans les 3-4 derniers, les 4 derniers matchs. Et bon, ils ont montré de l'efficacité. Haaland a fait une rentrée très très intéressante. Donc il va apporter lui aussi. Il n'était pas présent sur les 2-3 derniers matchs. Il va apporter maintenant. Ils ont quasiment tous leurs joueurs. Maintenant, qui sont prêts dans l'effectif. Ça va être difficile pour Arsenal, mais ça promet vraiment des duels super intéressants. C'est la folie cette fin de saison de Première Ligue. Prochain épisode, le week-end prochain. Arsenal ne veut rien lâcher dans la course au titre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la course au titre. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on ne passionne pas le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour on est parti. Alors, les gars, Arsenal ne veut rien lâcher. Ils ne veulent absolument rien lâcher, les gars. Ils sortent d'une semaine où ils battent Chelsea 5-0. Ils surclassent Chelsea 5-0. Et là, ils viennent de frapper un très gros coup contre Tottenham. Dans un derby très précieux. Emmanuel Adebayor, il avait dit ceci, il a dit, le derby de Arsenal-Tottenham, c'est un match vraiment capital. Il dit, tu peux être moins bon dans la saison, mais dans ce derby, tu dois vraiment tout donner. Tu dois tout donner, les gars. Arsenal, il y a quelques années, Arsenal était incapable de faire ça. Arsenal perdait généralement les points face au gros. Face au gros, ça prenait souvent les tolls. Les 5-0, les 4-1. Mais là, cette équipe d'Arsenal, pour moi, ils ont l'air vraiment d'être costauds. Il y a de cela quelques années, Arsenal était incapable de faire ça. C'est-à-dire aller battre Chelsea 5-0, ensuite aller s'imposer à Tottenham. 3-2. Certes, ils ont un peu lâché dans les dernières minutes, mais ils ont su tenir quand même le score. Ils ont quand même su tenir le score, les gars. Ils ont quand même su tenir le score. Ce n'est pas évident dans la pression de Tottenham. Ce n'est pas évident. Ils ont tenu le score. Donc, Arsenal, c'est un client très sérieux dans la course au titre. Très, très sérieux. Pour les battre, c'est hyper dur. En 15 matchs, je pense que c'est en 16 matchs, ils sont à 14 victoires entre les CJ. 14 victoires. C'est ahurissant. C'est impressionnant. Ils sont en homme. Donc, malheureusement, il y a Manchester City devant eux. Et City, souvent, ils ont l'habitude, dans le sprint final, ils ont l'habitude de jouer le sprint final. C'est ça le petit bémol. Sinon, pour moi, Arsenal mérite aussi la Premier League. Hein. Dans ce match, tu joues sans Gabriel Jesus. Il a préféré mettre Kai Havertz en pointe, en faux neuf. Et ça a fonctionné, puisque c'est lui qui marque le but du 3-0. Il marque le but du 3-0. Donc, dans ce match, ça a très mal débuté pour Tottenham. Tottenham a très mal débuté ce match. Très, très mal. Au bout de quelques minutes, ils prennent 2-0. Au bout de la 27e minute, c'était il y a 2-0. 2-0. Donc, c'est très mal défendu de la part de Tottenham. À la mi-temps, c'était 3-0. 3-0 à la mi-temps. C'est le gardien de Tottenham qui relance le match, David Raya. David Raya, que je trouve moins serein, il ne me convainc pas assez, David Raya. Puisqu'il a souvent, j'ai le souvenir du but qu'il donne à Johan Wissa, le match de Brentford. Brentford, Arsenal, entre les CJ, il commet une grosse boute contre Johan Wissa, l'international congolais, Johan Wissa. Donc, David Raya, pour moi, il n'est pas convaincant, il ne me convainc pas du tout. Il ne me convainc pas du tout. Après, tu as également une équipe de Tottenham qui a eu un sursaut d'orgueil, qui est revenu à 3-1, ensuite 3-2. C'est un pénalty super bien tiré par Henderson. Et résultat de course, on a eu 5 minutes de folie. On a eu plus de 5 minutes vraiment où Arsenal a vraiment, ils ont subi, mais ils n'ont pas craqué. C'est là où j'ai dit Arsenal a progressé. Puisqu'il y a encore quelques années, Arsenal était capable de le faire.
Arsenal est incapable de le faire. Arsenal, c'est une équipe qui, comment dirais-je, c'est une équipe qui craque souvent mentalement. Mais là, on a vu une équipe d'Arsenal très très solide, très très costaud, très très concentrée. Et ça, c'est vraiment seulement salué. Ça, c'est vraiment salué, les gars. Donc, cette course au titre, Arsenal, après la relève, et puisque Liverpool, pour moi, ils sont écartés de la course au titre. C'est maintenant le mano à mano entre Manchester City et Arsenal. Et petit avantage City, puisque City, ils ont un match en retard, et on verra ce que ça va donner. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à cette course au titre. Selon toi, qui sera champion? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao!